Et bonjour tout le monde, c'est Oxymos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft les amis. Et aujourd'hui, eh bien, il va y avoir Miss Leaf qui va arriver. Elle a dit qu'elle avait une surprise pour moi. Alors bon, mon anniversaire c'était il y a quelques jours. Je crois qu'elle s'est trompée de jour les amis. En tout cas, il n'y a pas que ça, puisque regardez, il y a un énorme cadeau qui est derrière. Mais je pense pas que ça soit Miss Leaf, sinon elle m'aurait prévenu. Il y a un coffre aussi à l'intérieur, donc j'espère que là il y a un gros cadeau de les amis. Donc on va découvrir tout ça en vidéo. Et voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, je compte sur vous. Et en plus, regardez, aujourd'hui, oh bah Diego il tombe dans l'eau. Aujourd'hui les amis, on est avec Diego. Et bah, d'ailleurs c'est un exploit les amis, parce que Diego il est toujours dans l'eau. Ah non, il est là. C'est un exploit puisque regardez, Diego il est réveillé. Et oui, Diego t'es réveillé à cette heure là toi. T'es réveillé à cette heure là. Et oui les amis, et d'ailleurs c'est Manon qui n'est pas réveillé visiblement. Alors que d'habitude c'est toujours toi Diego que je dois aller réveiller hein, voilà. Donc les amis, aujourd'hui eh bien je compte sur vous pour mettre un gros pouce bleu comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, ça fait trop plaisir les potes. Donc voilà, voilà, tous ceux qui s'abonnent les amis, c'est gratuit. N'oubliez pas voilà, d'activer la petite cloche une fois que vous êtes abonné. Si ça vous demande de créer un compte, si vous mettez un pouce bleu ou vous abonnez, eh bien créez-vous un compte, ça prend 5 secondes, etc, etc. Il y a du coup tous les produits dans la boutique, donc la boutique est dans la description. Une fois que vous avez reçu un produit, vous m'envoyez un petit message. Et d'ailleurs j'en profite les amis pour vous montrer une petite photo. Là je l'ai pas mis sur Minecraft, mais regardez, c'est Elodie je crois qui m'a envoyé un oreiller. Regardez, elle a commandé un coussin YouTube et tout avec tous les personnages du roleplay, et c'est bien Elodie. Donc voilà, merci beaucoup à toi, elle m'a même souhaité mon anniversaire, ça fait trop plaisir. Et voilà, c'est une photo que j'ai reçue. Après j'ai tellement de messages sur Instagram que j'ai du mal à tout lire, surtout avec mon anniversaire. Donc voilà, merci en tout cas à ceux qui m'envoient les photos des produits qu'ils reçoivent chez eux tout simplement. Alors Diego, est-ce que t'as pas vu le cadeau qui est au fond là? T'as pas trop envie d'aller le voir? Et franchement j'ai trop envie d'aller voir les amis. Et en plus je pense qu'il y a une voiture dedans. Imaginez déjà de qui il est ce cadeau, on sait pas. Il y a quoi dans le coffre? Ça se trouve le coffre c'est pas le contenu du cadeau, on est d'accord. Le coffre c'est à part. Il y a quoi dans le coffre? Ah, il y a un livre. Ah bah ça doit être ce qui explique ce qu'il y a dans le cadeau et tout, ok. Oh purée les amis, il a l'air d'être ouf ce cadeau. Oh. Bon attendez, on va d'abord aller réveiller Manon. Et comme il y a Miss Leaf, elle va arriver après je pense. Elle m'a dit qu'elle arrivait environ 10 minutes. Hop, hey, tu sonnes pas Diego. Miss Leaf m'a dit qu'elle arrivait dans environ 10 minutes et on va ouvrir le cadeau tous ensemble, ok. Et en plus elle m'a dit qu'elle avait une surprise. Bon bah j'ai pas trop compris. Bon allez. Oh, hey Manon, mais elle est d'or à l'envers. Hey Manon. Oh Manon, on se réveille. Ah mais arrête de gueuler. Eh, on se réveille. Oh. Purée, c'est les rôles qui sont inversés là. C'est Diego qui est debout avant toi. Pourquoi vous me regardez dormir hein? Bah on te regarde pas dormir, on te réveille. On te réveille parce qu'aujourd'hui il y a Miss Leaf qui vient. Et en plus de ça, regarde à la fenêtre, il y a un gros cadeau, il y a un cadeau géant. Wesh. J'ai jamais vu un aussi gros cadeau de ma vie les amis. Est-ce que vous avez déjà vu un cadeau de cette taille? À mon avis, à ton avis, il y a quoi? Ça se trouve, il y a un nouveau Lucky. Ça se trouve, il y a une machine. Une machine qui permet de... Je sais pas. Ça se trouve, c'est le... Oh, mais c'est le docteur Dimitri qui m'a offert ça, c'est sûr. Il m'a offert une machine machiavélique. Mais je sais c'est quoi, c'est mon cerveau. Il l'a envoyé au réparateur. Non mais je l'ai envoyé au réparateur. Et il te le renvoie dans un cadeau. Ouais. Ouais, bien sûr, ton cerveau. Attends, je vais te donner un cadeau de la taille de ton cerveau. Attends deux secondes. Alors, hop. Ouais. Alors, hop, je vais te donner un cadeau de la taille de ton cerveau. Alors là, il y a plusieurs cerveaux. Toi, c'est le rouge là. C'est le rouge. Voilà. Sympa. Attends, non, je vais t'en donner. Bah, tiens, c'est celui-là. Voilà. C'est exactement celui-là. T'es pas gentil avec moi. Mais c'est la vérité, t'as pas un cerveau de cette taille, faut arrêter d'abuser. Non, je pense que c'est plutôt à l'intérieur ce qui est. C'est plutôt un cadeau de la taille de ma gentillesse. Non. Bah, alors, et de ma beauté, c'est ma beauté qui est à l'intérieur. Non, tout sauf ça. C'est ma beauté qui est à l'intérieur. Non. De toute façon, j'ai eu un livre. Là-dedans, il y a eu un livre et du coup, je pense qu'il explique. Ou à moins que j'ai eu un livre en cadeau. Et que dans le cadeau, il n'y a rien.
Ça se trouve, dans le cadeau, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Ça se trouve, c'est pour Manon. Bah non, non, c'est pour moi. Bah on verra bien ce qu'il y a de marqué dans le livre. Ça se trouve, c'est... Ah, tu t'es fait prendre qu'il n'y a rien dedans. Bon, voilà. Bon, du coup, je pense que Miss Liv, les amis, va bientôt arriver parce que normalement, on a... Bah, normalement, on a prévu de... Bah, elle a prévu de venir et bah, on va ouvrir le cadeau ensemble, je pense. Et elle, je sais pas ce qu'elle a à me dire. Je sais pas ce qu'elle a à me dire, les amis. Hein. Je sais pas ce qu'elle a à me dire. En tout cas, les amis, mettez un gros pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si c'est pas encore fait, là, si c'est pas encore fait, et bah, cliquez sur le bouton rouge. Le petit pouce bleu en l'air, comme ça, hop, hop, hop. Et d'ailleurs, les amis, hier, bah, vous savez ce qui est apparu. Ce qui a apparu sur la chaîne comme ça, c'est le RP École. Si vous n'avez pas vu le RP École, les amis, le premier épisode du RP École de la nouvelle saison est sorti hier et ça sera tous les mercredis sur la chaîne YouTube. Donc vous tapez RP École Oxymose et bah voilà, c'est tout clean, j'ai envie de dire. C'est tout clean. Oh bah les amis, mais c'est qui qu'on voit au loin là? Ah bah on la voit arriver. Salut, c'est moi. Salut Miss Liv, comment ça va? Elle arrive déjà en gueulant. J'ai la mère Noël là, j'ai des cadeaux. Comment ça la mère Noël? Oh trop bien, et c'est pour moi? Non, toi t'as pas mérité. Toi non plus Diego, t'as pas mérité. Quoi mais... Quand t'allais train de faire caca partout. Oh maman, c'est quoi cette... Franchement madame, irrespectueuse ce que vous faites hein. C'est pour moi le cadeau. Bah ouais, c'est parce que c'était ton anniversaire et puis je sais que t'as reçu mes cadeaux là, mais c'était des cadeaux pour rigoler, mais je suis désolée, j'ai pas pu être là parce que bah voilà, j'avais plein de trucs à faire ce jour-là, mais j'ai un vrai cadeau pour toi. Vas-y, montre. Bah regarde, je te le montre, elle est dans ma main. Ah, il est dans ta main, mais il est tout petit, regarde le cadeau que j'ai reçu moi. J'ai reçu ça ce matin par la poste. C'est mon cerveau. C'est Weshden qui t'a offert ça, c'est ça? C'est qui? Weshden, c'est Weshden. Weshden, non, c'est pas Weshden, wesh. Je sais pas. Tu me trompes encore avec elle là? Mais non, mais... Je te rappelle pas, elle avait fait un énorme cadeau là dans ta cour, tu te rappelles pas? Mais, ah oui, c'est vrai. Ah, elle m'avait fait un cadeau, bah tu vois, j'avais oublié. Non, mais. Non, bah là, je sais pas qui c'est parce que j'ai une lettre dans la main, mais je stresse. Ça se trouve, il y a un cadeau de fou. Au pire, tu me fais lire la lettre avant et je te dis si tu peux la lire, ok? Vas-y. Mais ah, tu la lis pas à voix haute alors. Les abonnés de Miss Liv, les amis, ils verront la lettre, mais moi je la vois pas. Moi je sais trop bien lire, si tu veux je te la lis, parce que toi tu sais pas très bien. C'est ok, tu peux la lire. Est-ce que je peux deviner ce qu'il y a dans le cadeau? Il y a marqué ou pas ce qu'il y a dans le cadeau? Bah j'ai lu en diagonale, donc ok. Fais attention, alors, je crois pas. Est-ce que tu sais, il est de qui le cadeau? Il y a marqué ou pas? Ouais, je sais de qui il est. Ok. Est-ce qu'il est du docteur Dimitri? Non. Est-ce qu'il est du docteur Jean-Bernard? Non, t'as vraiment un problème avec les docteurs. Bah non, mais parce que... C'est ça? Non. Bah moi, je rêve des doctrices. Doctrices. Alors, deviens prof de français d'abord et après tu pourras devenir doctrice. Prof de française. Oh là 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 là, les amis. Manon, mais qu'est-ce qu'elle nous fait là? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Ouais. J'espère, Diego, que tu seras mieux élevé et que quand tu auras son âge, tu parleras pas comme elle. C'est ton cadeau. C'est toi qui m'as envoyé un cadeau géant. Non, désolé de te décevoir. C'est Nils? Non. C'est Diego? Non, bah non. Comment Diego il aurait fait ça? Bah je sais pas, mais je dis plein de noms, y a personne. C'est Weshden? Non, c'est des gens que t'aimes trop. Genre vraiment c'est les boss. Que j'aime trop. Ah c'est des gens. Ouais, c'est les big boss. Manon et sa tête. C'est arrête. C'est le fleuriste, mais non je l'aime pas lui. Enfin c'est pas que je l'aime pas, c'est que je le connais pas. Je le connais pas trop. C'est genre le top 1 des meilleurs gens, tu vois. Attends, c'est une personne, mais il y a plusieurs. Eh, je comprends rien, les amis. Miss Liv, elle me dit n'importe quoi. T'as un groupe de personnes qui sont vraiment trop cool. Bon. Et tout le monde devrait faire comme eux. D'accord, ok. Bon, tu sais quoi, on va ouvrir d'abord ton cadeau, comme ça je sais qu'il vient de toi. Et je sais que c'est un cadeau sincère parce que les autres cadeaux, bon, j'ai vu les trucs. Bon, c'était drôle quoi, mais. Sans plus. Mais c'était un prank. Là c'est un vrai cadeau. Est-ce que t'es prêt à recevoir mon cadeau? Vas-y, je suis prêt. Je suis prêt. Rien ne pourra dépasser le. Je suis prêt. Okay, alors, je vais poser le cadeau. Okay, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ok. Au pire, drop-le-moi. Ok. Attention, tiens. Ok, alors les amis. Ah, ça sent le caca. Ah, bon. Non, faut surtout pas mettre
Déjà, je remarque que l'emballage n'est pas très bien fait. C'est vrai qu'il n'est pas bien fait. Il y a une petite pliure. Il y a une petite pliure. Après, il est trempé, donc franchement, je n'applaudis pas. Quoi, tu me donnes un cadeau mouillé? Mais t'as aucun... Ah, c'est Diego qui l'a récupéré. Oh, bah dis... Oh, bah dis... Mais il est trop bête, Diego. Oh, bah j'ai eu quoi? Ah, j'ai eu un jukebox. Ah, trop stylé. En plus, c'est la dernière génération. Il fait de la lumière et tu peux mettre tous les sons. Tu peux mettre n'importe qui sauf Weshden comme son dessus. Ah, ok. C'est anti-Weshden, tu peux pas mettre. Genre, c'est programmé pour qu'il n'y ait pas de Weshden dedans. Voilà, si tu mets du Weshden, ça va jouer des gros bruits de fond désagréables. Ah, merde, merde. Ah, mais c'est quoi ça? Misli, t'as oublié tes affaires. Mais non, c'est à Diego. Diego, il a mangé quelqu'un. T'as oublié tes affaires. Ouais, c'est la peine, non, mais ça te fait plaisir au moins. Ouais, attends, ouais, ça me fait trop plaisir. Tu vas le mettre bien. Mais elle essaie de faire. Bon, elle le met comme ça là, et il va être bien. Voilà. Comme ça, elle pourra pas s'en servir, Manon. Il faut rajouter un truc devant avec écrit. Avec écrit quoi? Avec écrit. Ouais, ok. Bon, j'ai pas eu la place de mettre un. Le meilleur K2A. Le meilleur K2A. Les amis, c'est la phrase à mettre en commentaire. Vous mettez le meilleur K2A. Franchement. Franchement, on parle de moi, mais elle, c'est même pas écrit que t'as Kadox. Hein. Kadox mais... Kado. Déjà, c'est pas Kadox, c'est cadeau. Ah. C'était ça, mais cadeau troll, non? C'était. Il me semble que c'est ça que je t'ai fait envoyer, c'était ça. Mais oui, il y avait des trucs, il y avait des trucs bizarres et tout, mais il y avait pas que ça. Eh, regarde, t'as loupé quoi? Ça, c'était la salle de la fête d'anniversaire. Oh, c'était la teuf ici. Eh, mais là, c'est. Les bougies, elles sont encore allumées. Regarde. Ça, c'est mes cadeaux, avoue, ils sont trop bien. Je me suis inspiré un peu de toi, je sais pas comment. Ah, y'a du caca. Elle m'a offert 3 cadeaux du coulis de. Voilà. Du caca. Arrête, Diego. Purée, c'est pas bien. Ne viens pas comme ta mère. Voilà. Oh, ouais, ça veut dire quoi? Bon, c'est pas tout, mais moi, y'a un cadeau que j'ai encore plus envie d'ouvrir. C'est celui-là, là. Moi, j'ai envie de l'ouvrir. D'ailleurs, j'ai même pas lu la lettre. Bon, les amis, je pense que c'est le moment de lire la lettre. Donc, attention. J'ai pas deviné de qui c'était. Mais je sais pas, j'ai dit tous les noms. Usko, c'est Usko, c'est Usko, c'est Usko. Non, c'est un groupe de personnes qui sont trop sympas. Un groupe, Usko et sa famille. J'ai trouvé, moi. Les amis de Usko. Non, ça n'a rien à voir avec Usko. La tante de Usko et l'oncle de Usko. En plus, non, Usko, il... les cheveux de Miss Liv. Je l'ai senti de chez moi quand il est arrivé là, on se coupe là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il sent pas très bon, il sent la planète Mars. D'ailleurs, les amis, bon, on va ouvrir la lettre, mais j'ai la flemme de deviner, mais d'ailleurs, la vidéo sur le retour d'Usko vous a bien plu, on va bientôt aller sur sa planète, voilà, petit scoop. Donc si vous voulez que Usko, qu'on aille sur la planète de Usko d'ici une semaine, voilà, une semaine maximum, eh bien, vous mettez 5000 pouces bleus. 4000, allez, vas-y, on va baisser 4000 pouces bleus et vous abonner. Et voilà, vous mettez tous, on veut te voir avec Usko, on veut te voir avec Usko dans les commentaires. Et là, bah, d'ici la fin de semaine, vas-y, on va aller sur la planète de Usko. Parce que. Let's go. Let's go, Usko. Et voilà. Bon, les amis, allez, c'est parti. Livrez plus mon ouvre. Salut, c'est un groupe d'abonnés. C'est un groupe d'abonnés, mais je pouvais pas deviner. Oui, c'était pas une personne en particulier. Je t'ai dit c'était un groupe de personnes et il faut que tout le monde fasse comme eux. Ah bah s'abonner. Ah bah oui les amis, il faut tous s'abonner. Ok bah c'est des abonnés qui m'ont fait un cadeau pour mon anniversaire. On t'a fait un cadeau groupé. On espère que ça te fera plaisir. Tu peux aussi rentrer dans le cadeau par la droite. Ah ouais, il y a une porte. Ah ouais, il y a une porte, oh my god. Oh, t'as changé de tenue toi? Bah ouais. Oh ouais. Oh, t'es en salopette. Non, salopette. Je vais ressembler au Bob, c'est ma. Tu vas chercher Non, c'est mon idole. Elle va bricoler, elle va bricoler. Non, Bob, c'est mon idole. Non, la bricoleuse. Wesh. Elle regarde les dessins animés de Bob le bricoleur, elle est en mode ah, il est trop beau. Mais oui, t'as vu le dernier en plus. Oh, vas-y. Bon, attendez, les amis, moi. Il y a 3 pages, wesh. Ils m'ont fait un pavé, les abonnés. Merci beaucoup pour toutes tes vidéos que tu nous fais chaque jour. Tu nous aides vraiment quand on passe des moments difficiles. Et après, on lance une de tes vidéos, tout va mieux. Continue à nous divertir comme tu le fais déjà si bien. Signé, tes 600 000 abonnés, on te kiffe grave. Quoi? C'est mes 600 000 abonnés qui m'ont fait un cadeau? Ben oui, t'as même pas 100 000 abonnés.
Ouais, j'avoue. Comment ça se fait qu'il est aussi petit si j'ai 600 000 abonnés là? Il y a des abonnés qui ont oublié de me faire une partie du cadeau là. Normalement, 600 000 abonnés, c'est un cadeau de la taille de toute la ville. Bah, tous ceux qui regardent la vidéo là, s'ils ont pas fait de cadeau, faut qu'ils like. Mais oui, c'est bon là. C'est quoi ça? Merci beaucoup, hein, ça, j'ai déjà lu. PS, on a cotisé pendant 3 mois pour te faire ce super cadeau. Ouais, bon, je pense qu'ils abusent un peu les abonnés. Quoique, après, si c'est. Ça se trouve, c'est une mallette avec plein de billets. On sait pas. Oh, un max d'argent. Ah, non, par contre, tu laisses pour moi parce que ça veut dire que c'est pour moi. Attends, il y a une petite fente, on peut voir. J'ai l'impression qu'il est vide. Bon, je rentre. Il y a peut-être un autre coffre avec plein de trucs. Il y a peut-être un sous-sol. L'étage. Ça va peut-être lancer des feux d'artifice à faire un spectacle. Oh ouais. Il y a des danseurs qui vont sortir du cadeau et ça va être la fête. Bah, ouais, allez où? Bah, du coup, écartez-vous, voir si vous voyez des feux d'artifice et des confettis. Ouais. Eh, mais en vrai, j'aurais parié que c'était Usko vu que c'est pile en dessous de sa soucoupe volante. Hein. Franchement, c'est un truc de ouf. Les. Oh ouais. Il y a des méga feux d'artifice. C'est passé quoi? Quoi? Des artifices, ça a explosé. Mais attends. C'est trop bien. Mais dites aux abonnés d'en refaire. Hein. Y a rien eu dans le cadeau. Ça m'a fait une explosion dans la tête. Oh. Ils ont essayé de te tuer. Mais non. Il y a un. Y a rien. Waouh, la taille de l'explosion. Oh, comment ça m'a fait peur. Là, wow. Besoin pas, tu porteras le casque. Hein. Heureusement que je vous ai dit de vous écarter. Hein. Tiens, toi, mets-le. Pourquoi moi? Mais attendez, mais il y a des abonnés, ils ont voulu me tuer là. C'est un faux cadeau, c'est un cadeau piégé. Oh, purée, what the fuck. Mais c'est fou parce que c'était hyper crédible dans leurs lettres et tout. Mais oui, mais attends, mais. On n'aurait pas cru, ils ont dit, ouais, il y en a des fans de toi, bah que d'elle, ils ont essayé de te tuer là. Oh là là. Bah oui, mais quoi, pas. Mais ils m'ont amadoué. T'as eu de la chance que ce soit une petite explosion et pas une énorme explosion. Imagine, ça aurait cassé ta maison. Bah, ça a fait plus de bruit et tout. Ça a eu une grosse onde de choc, oui, mais ça m'a rien fait. Ça m'a rien fait. En fait, je pense que j'étais pas entièrement dans le cadeau. Genre, tu sais, c'était à l'entrée. L'explosion s'est faite quand je suis rentré. Waouh, les amis. Waouh, ce qui s'est passé. Mais quoi? Mais attends, mais c'est un truc. Mais j'ai failli mourir. C'est fou. Maintenant, je pense que tu devrais tout le temps mettre un casque sur la tête, genre une armure entière de protection, au cas où, tu vois. Mais attendez, mais les amis, il y a un abonné qui a essayé de me tuer. C'est qui? Mais attends, mais là, on peut se demander qui c'est, là. Mais ça se trouve, il est encore dans le coin, parce qu'il était là ce matin. Enfin, Ça se trouve, il nous espionne. Il a tout vu. Faut chercher. Parce que tu sais, enfin, il est bien arrivé à un moment le cadeau. Là, ça se trouve, il est toujours là le gars. Je sais pas. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh les. Eh, mais j'ai trop peur, les amis. J'ai l'impression que je me sens espionné et tout. Bon, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là pour cette vidéo. On va essayer d'enquêter et on va essayer de trouver qui a fait ça et lui faire manger la poussière, tout simplement. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup Mizlif pour tes cadeaux, ça fait trop plaisir. Enfin, pour ton cadeau, ça fait trop plaisir. Ça fait, j'écouterai plein de musique de Weshden avec le jukebox. Non. Et voilà. Non. Mais je suis désolé, mais je suis encore sous le choc. Je fais des blagues, mais les amis, j'ai pas envie de faire des blagues là. Si les abonnés ont une solution, enfin dites-moi là si vous avez trouvé. Mais franchement. Bah ouais, moi aussi de mon côté, parce que moi aussi je fais j'ai record de mon point de vue. Mais oui. Donc les amis. Mais ouais, non, mais là c'est un truc de fou, les amis. Si là vous avez un indice et tout, dites-le en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la commenter, de la liker, de la partager, c'est le plus important. Et n'oubliez pas de vous abonner à toutes les chaînes si c'est pas encore fait. Et nous, on vous dit, c'était Mizlive et Oxymose et toute la clique pour vous servir. Allez, ciao, ciao.